pas de problème pour plus tard. Voilà. Bon, sinon à part ça, bah, j'espère que tu vas bien et que tu as passé de très bonnes vacances. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui... Ah non, Tiki, commence pas à me couper la parole. Tiki. Donc je disais... Mais il est sérieux, lui. Tu te tais. Tiki. Et donc je disais... Putain, c'est pas possible. Il veut pas que je parle en fait, il aime pas quand je parle toute seule. Mais non, je sais que t'aimes pas ça. Va te coucher, va faire ta sieste. Et puis maintenant il y a le chien du voisin, forcément. Et donc je disais... Mais non, t'es qui ferme ta gueule. Putain, c'est pas possible. Tu te tais. Je vais le laisser parler en même temps que moi parce que sinon je vais jamais m'en sortir. Dans cette vidéo, eh bien, je vais te montrer mes créations du mois d'août. Ouais, et puis bah, il n'y en a pas beaucoup. Donc logiquement, ça devrait aller. Logiquement, on ne devait pas partir en vacances. Mais bah, finalement, on est quand même parti en vacances à Bordeaux avec des amis. Donc bah, du coup, bah, j'avais pas beaucoup de temps pour moi-même pour faire de la polymère. Mais j'en ai fait une petite dizaine quand même. Voilà. Tu m'énerves, Tiki, t'es chiant à parler. Quand on lui demande de parler devant les autres, il dit pas un bruit. Mais pour couper la parole, ça, il n'y a pas de problème. Hein? Vilain. Tiki, t'es un vilain. Bon, je voulais te parler aussi d'un autre petit truc. Tu me diras si t'es d'accord ou pas. Parce que je voudrais agrémenter ma chaîne YouTube de nouvelles petites choses. Voilà, pour amener quelque chose de nouveau. Et je me suis dit, même si je suis complètement novice dans ce domaine-là, hein, je ne connais pas grand-chose, mais on va dire que je me démerde. Et bien je me suis demandé si ça t'intéresserait des tutos sur les coiffures. J'aime bien coiffer mes filles. Et puis je me suis dit, bah, ça pourrait être sympa de faire des petites vidéos de temps en temps sur ça. Pourquoi pas? Voilà. Dis-moi ce que t'en penses. Si personne n'en veut, bah, j'en ferai pas, puis c'est tout. Logiquement, j'ai aussi des vidéos partenariat avec la boutique Panda Hall qui devrait arriver. Je ne sais pas encore quand, mais ça arrivera un jour. Donc voilà, je voudrais un petit peu diversifier la chaîne YouTube avec plein de nouvelles petites choses. Donc dis-moi si ça t'intéresse, si t'as des idées. Elles sont les bienvenues. Alors je sais pas voilà. Si tu l'as vu, si t'es au courant, mais j'ai ouvert encore une troisième chaîne YouTube spéciale pour mes petits animaux parce qu'ils font tellement de conneries, ils sont tellement drôles que je me suis dit que ça serait sympa de partager tout ça avec vous, avec toi. Donc si jamais ça te dit, bah, le lien de ma nouvelle chaîne YouTube est en barre d'infos. Mais c'est que sur mes animaux. Voilà. Il y aura une vidéo, je ne sais pas. Tous les je sais pas combien, tout dépendra de leur connerie aussi. Ça peut être toutes les semaines, tous les jours, tous les mois, j'en sais rien. Seul l'avenir me dira. Voilà, donc comme à chaque fois, eh bien, je le redis, mais tous les bijoux que je vais te présenter dans cette vidéo-là seront déjà disponibles sur ma chaîne, sur ma boutique. Je vais y arriver, pardon. Et aussi que bah, je me suis encore fait chier à poncer tous les bijoux à la main. Ils sont vraiment du machette une draine, il n'y a pas le choix. Ça fait bonbon au doigt. Ça fait des crampes surtout. J'arrête de blablater et je te montre mes créations du mois d'août. C'est parti. Donc les deux premières, et eh bien tu les as vues dans ma dernière vidéo tuto qui concernait dégradé, où j'ai réalisé des petits bijoux, et eh bien les voici. Voilà. Donc il y en a un avec la technique de Leiden Magic et l'autre avec le Sutton Slice. Et pour aller avec, bien évidemment, j'ai les petites paires de boucles d'oreilles assorties qui sont offertes en cadeau pour l'achat d'un des colliers. Les boucles d'oreilles assorties quoi. Voilà. Alors vu que je n'ai pas eu beaucoup de temps ce mois-ci, j'ai fait beaucoup de créations classiques. Mais bon, voilà, hein, on dira rien. Je me rattraperai la prochaine fois.
Les jeux suivants, eh bien, c'est une nouvelle technique que j'ai découverte et que j'ai voulu tester. Voilà, c'est un effet craquelé, mais lisse. Tout plat. C'est pas avec des craquelures profondes ou quoi. Non, c'est tout lisse. Alors pour celui-là, je pense que je vais rajouter une petite couche de résine plus tard parce que je pense que ça fera plus joli. Et donc voilà, j'ai ce petit collier là avec une paire de boucles d'oreilles assortie que j'offre en cadeau. Et il y a même un petit bague, dis donc. La plupart des bijoux que je vais vous montrer, il n'y en a que un, je crois, où il y a la paire de boucles d'oreilles assorties qui est offerte en cadeau à chaque fois. Il n'y en a que un qui n'a pas de paire de boucles d'oreilles. Il faudrait que je m'arrange pour en faire une. Parce que j'aime bien, en fait, quand les gens achètent un collier sur ma boutique, eh bien, j'aime bien leur offrir la petite paire de boucles d'oreilles qui est assortie, qui va avec. C'est mon petit truc à moi. Donc j'essaie toujours, je fais en sorte qu'il y ait la petite paire de boucles d'oreilles assortie pour aller avec. Ça t'achète un collier et finalement tu te retrouves avec une petite parure. C'est plutôt sympathique, ça. On enchaîne avec le suivant. Je sais même pas comment je pourrais l'appeler, celui-là. Donc c'est un petit collier, je sais pas trop comment je pourrais dire. Un mélange entre les rayures et les petits pois. Non, c'était vif, ça. Je sais pas, faut que j'arrive à faire marcher mon imagination pour lui trouver un petit nom. Je sais pas comment dire pour l'instant. Enfin bref, il est dans les tons noir et blanc avec un peu de rose. Oui, un petit peu de rose quand même, hein, parce que le bleu ça va, mais ça plaît pas à tout le monde. Les gens, la plupart des filles, ils aiment bien le rose. Moi non. Je préfère le bleu, c'est pour ça que je fais le bleu. Elle va se coucher. Pareil, il en faut pour tous les coups. Moi j'aime bien faire les choses miniatures parce que je préfère quand c'est discret, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui préfèrent quand c'est imposant. Donc j'ai essayé de faire ça comme ça. Voilà. Et c'est le petit bijou que j'ai nommé Atmosphère, tout simplement. Et c'est le seul, comme je le disais tout à l'heure, qui n'a pas la petite paire de boucles d'oreilles assorties que je pourrais offrir en cadeau. Donc je vais essayer d'arranger ça pour mon... là, dans les jours qui vont venir. Voilà. Ah, il était imposant, mais il est très 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 léger parce que c'est une grosse perle creuse que vous voyez là.
maintenant c'est encore un collier, je n'ai fait que des colliers, parce que c'est ce que je préfère. Mais c'est vrai qu'il faut que j'arrive à me diversifier et puis faire plus d'autres bijoux, pas forcément que des colliers. Hein. Mais bon, bref, on s'en fiche. Du coup, bah voilà, le collier suivant, il est en... Comment je peux dire? Il me saoule ce tiki. Il fait trop de bruit à chaque fois. Il se réveille que quand je fais des vidéos, parce qu'en dehors de ça, il fait pas de bruit, mais sage comme une image. Petit bref, je disais, le bijou suivant, et eh bien c'est, on va appeler ça un bijou un peu floral, mais dans des tons très pastels. Voilà, très, ouais, c'est très pâle, très blanc. Enfin, il y a beaucoup de blanc. Bah, bref, regarde par toi-même. Un bijou à faire avec les restes du collier que tu as vu juste avant. Voilà, avec les restes de ce que j'avais, bah j'ai réalisé ce petit collier là. Il est sorti de nulle part. C'est rapide cette fois-ci. Enfin, je crois. J'ai pas le retour caméra, du coup, je sais même pas à combien j'en suis. Mais l'écran de ma caméra, il est cassé. C'est de la chance, hein. Ça tombe à ce moment-là, quoi. Bref, du coup, oui, les trois derniers bijoux, et bah, c'est mes petites mademoiselles. Voilà. Et là, j'ai essayé de les faire différemment de d'habitude. Parce que d'habitude, je les fais en petite miniature. Et là, j'ai voulu faire un modèle un peu plus grand. C'est bizarrement, c'est plus grand quand c'est... Non, alors... Bizarrement, c'est plus dur quand c'est plus grand. Vous comprendrez qui quoi. Bah, bon, en fait, il faut faire plus de détails. Parce que ça ressort plus. Donc, il faut que tu. Enfin, bref. Parler pour rien dire. Hein. Donc, on commence avec la première qui est sur un support camélo en résine. Même si c'est plus la saison, et eh bien, c'est une petite mademoiselle sur un air du printemps. Avec des cheveux psychédéliques, violets, par. Alors que bah, c'est pas normal. C'est vrai que d'habitude j'ai fait toujours brune, blonde ou châtain. Et j'ai voulu changer puis faire vraiment des couleurs qui sortent de nulle part. Quoique maintenant, de nos jours, on peut se faire ce genre de couleurs. Hein. Bref, je suis pas dans des délires, hein. Laissez-moi.
portes, eh bien, c'est une petite sirène qui est posée sur une estampe, tout dans les tons bleus. Elle a des petites fleurs, elle a même un papillon et une étoile de mer. Et cette fois-ci, elle est de profil. Franchement, c'est rare quand je fais ce genre de création là, mais alors là je suis quand même assez contente de moi. Il y a des défauts, comme partout, comme à chaque fois, hein, parce que je suis pas une spécialiste, je suis pas une experte, hein. Loin de là. Il y a toujours des défauts dans ce que je fais, mais je suis quand même contente de ce résultat. À tes souhaits, mon chien. Bref, voilà, c'est une petite elfe. J'ai envie de le dire. Elle est toute mignonne. Oui, je crois que je peux le dire. Je l'aime bien, donc elle est toute mignonne. Voilà, avec un décor naturel, avec plein de petites fleurs et il y a aussi un petit papillon. Voilà. C'est vrai que d'habitude, je réalise au moins 5 petites mademoiselles par mois en moyenne, mais bah, comme je l'ai dit là au début, j'ai pas eu beaucoup le temps. Alors du coup, bah, il y en a eu 3, mais ces 3-là m'ont demandé énormément de temps. Beaucoup plus de temps que d'habitude. Ma petite elfe, là, par exemple, et bah, j'ai passé 4 fois plus de temps sur elle que d'habitude. Elle m'a vraiment demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, celle-ci. Et pourtant, elle est pas parfaite, hein. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Et même si elle a des défauts, et bah, je l'aime bien comme ça. Je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Ouais. Je crois pas que j'ai battu les records encore, mais bon, tant pis. Non, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si t'as des idées de tuto, n'hésite pas à me le faire savoir, parce que si je peux le faire, ce sera avec le plus grand des plaisirs. Faut juste être un petit peu patient. Voilà. Oh, mon chien est enfermé. Moi, j'ai pas été très productive ce mois-ci, le mois d'août. Donc j'espère que là, pour le mois de septembre, j'en mettrai un petit peu plus. J'en sais rien. Pareil, hein, seul l'avenir me dira. Depuis tout à l'heure, je pars, mais je crois que là, je vais être en retard pour aller à l'école. Donc il va falloir que je me change. Bon, bah je vais refaire mon petit retour de magie. Hein, j'y bafouillé, mais t'as compris ce que je voulais dire. Donc c'est parti. Allez, on est prêts? Donc je crois que c'est l'heure. Allez, on y va. Et... Ah, je me sens bien comme ça. Bon, bah, je crois que c'est l'heure d'aller à l'école. Alors je vais vous faire plein de gros poutous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.